Je suis drôlement contente de vous revoir. Vous allez bien? Vous êtes en forme? Oh là là, ça fait plaisir. Bon, alors première chose, on se dit bonjour. Bonjour à vous tous. De votre côté, je compte sur vous pour me répondre. Hein. Soit comme ça, et en me disant « Bonjour Jocelyne ». Allez-y. Super. Ah. Bon, alors je voulais vous féliciter. J'ai vu les photos que vous avez fait de vos poules ou de vos petits lapins, mais vous avez travaillé comme des chefs. Hein. Vous êtes vraiment des champions et des championnes. Vous avez fait des poules et des lapins magnifiques. Ah bon, eh bien j'espère que vous avez eu des petits chocolats pour Pâques et que vous avez pu les mettre. Soit vous les avez mis dans la poule, soit vous les avez mis dans le petit lapin, ou alors vous avez vu la vidéo d'Aïssato pour faire un petit panier. Drôlement bien cette vidéo. Alors pour ramasser les œufs, c'était bien. Et est-ce que vous avez vu la vidéo d'Isabelle? Quand elle fait la magicienne et qu'elle fait apparaître un vrai lapin. Vous vous rappelez comment il s'appelle son lapin, Isabelle? Saperlipopette. Mais c'était drôlement bien. Alors moi aujourd'hui, je suis revenue et je me dis, aujourd'hui, je ne vais pas raconter une histoire comme d'habitude. Je vais vous raconter l'histoire avec... Eh oui, le Kamishibai. Vous vous rappelez du Kamishibai? Ça vous aimait beaucoup. Donc, on est prêt pour l'histoire du Kamishibai? On s'assoit bien. Attention. Ça commence. Je vais vous raconter l'histoire de Petite taupe, ouvre-moi ta porte. On y va. J'ouvre les portes du Kamishibai. Et voilà, c'est parti. C'est l'hiver dehors. Il fait nuit, il fait froid. Mais Petite taupe est bien au chaud dans sa maison, dans son lit. Quand soudain, qui frappe à la porte? Est-ce qu'on ouvre la porte? Ouais. Et vous comptez avec moi pour ouvrir la porte? 1, 2, 3. J'ouvre la porte. Alors la petite taupe qui est très gentille lui dit « Eh bien rentre, rentre dans ma maison, assieds-toi sur le canapé, je vais te faire chauffer un chocolat chaud. Mmh, elles sont bien là toutes les deux au chaud dans la maison quand soudain, qui frappe à la porte? On ouvre? 3 bien au chaud dans la maison. Quand soudain, qui frappe à la porte? Est-ce que j'ouvre? Oui, on compte. 1, 2, 3. Alors la petite taupe, quand même, elle est très gentille. Elle lui dit, ben rentre, rentre dans ma maison. Viens t'asseoir avec nous. Et le blaireau s'assoit aussi sur le canapé avec la petite taupe. Ah, ils sont bien tous les trois avec la petite taupe, assis bien au chaud. Quand soudain,
frappe à la porte. On ouvre. Un, deux, trois. Oh, c'est une maison, j'ai ces petits qui ont trop froid dans leur nid. La maison, c'est un oiseau, vous avez vu, un petit oiseau. Alors la petite taupe, comme elle est très très gentille, elle leur dit, mais rentrez, rentrez, rentrez dans ma maison, rentrez vite au chaud. Et elle les installe sur son lit, bien au chaud. Ah, ils sont tous là, bien au chaud, en sécurité, quand soudain... Mais qui frappe à la porte? Est-ce qu'on ouvre? Vous êtes sûrs? Allez, on compte. Un, deux, trois. J'ouvre la porte. Ah! Un horrible loup! Ah! Un horrible loup qui arrive et qui leur dit « Ben, je vais tous vous dévorer !» Tous les animaux à l'attaque et je boum, schlag, flying, boum. La maison, j'arrive avec un filet, elle l'entoure et elle l'entoure, elle l'entoure. Non, mais tu ne vas pas nous manger. Regardez-moi comme tu es ligoté. Boum. Et voilà notre loup écroulé sur le plancher, tout ligoté. Ah, quelle émotion. Alors la petite taupe, pour se remettre de toutes ses émotions, décide de faire sa spécialité. Une bonne soupe à l'oignon. Quel délicieux potage. Mais soudain, qui frappe à la porte? Est-ce qu'on ouvre? Vous êtes sûr? Allez, on ouvre. Un, deux, trois. Oh, un hérisson, un hibou, un melon, un lapin. Ils sont tous gelés. Alors la petite taupe leur dit, mais venez, venez, mais bien sûr, entrez chez moi, vous allez avoir chaud. Et tous ils rentrent dans la maison de la petite taupe. Et tous ensemble, ils partagent la bonne soupe à l'oignon. Ouais, et même notre affreux loup, qui est tout ligoté, il peut en prendre. Regardez, hop, il a une paille. Et ils sont tous là, bien au chaud, à boire une soupe à l'oignon dans la maison de la gentille petite taupe. Ah, qu'est-ce qu'on est bien tous ensemble! Voilà, c'était l'histoire de Petite taupe, ouvre-moi ta porte. Ça vous a plu cette histoire? Elle est drôlement bien. Bon, est-ce que je vous en raconte une autre? On est en train de faire le Kamishibai, alors allez, une autre histoire dans le Kamishibai. Alors, attention, attention, je vais la prendre. Je m'installe. Vous êtes prêts pour la deuxième histoire du Kamishibai? Attention, attention. L'histoire du Kamishibai de maintenant, c'est Petit panda va au pot. On y va? Petit panda est assis sur le canapé, il lit une histoire avec papa. Et maman revient des courses et elle a un gros paquet sous le bras. Oh, oh, oh! Mais qu'est-ce que ça peut être?
Petit panda demanda maman. Mais c'est quoi ce paquet? C'est quoi? Eh bien, ce sera pour toi quand tu seras plus grand. Petit panda est bien intrigué. Mais qu'est-ce qu'il peut y avoir là-dedans? Se demande Petit panda. Qui enlève le papier? Oh! Mais qu'est-ce que c'est que ce drôle d'objet? Vous avez une idée, vous, hein? Ah, Petit panda, il se demande bien. Il réfléchit, mais qu'est-ce que c'est que ce drôle d'objet? Oh! Peut-être que c'est un chapeau? Oh! N'importe quoi! Vous avez vu, même son doudou, il se moque de lui. Mais non, c'est pas un chapeau! Alors, c'est un siège pour toi, doudou? Ah, doudou, il rigole plus. Bon, non, c'est trop grand pour toi, doudou. Mais qu'est-ce que ça peut être que ce drôle d'objet? Ah! Mais peut-être que ce siège est fait pour moi. Et puis, d'un seul coup, Petit panda a une grosse envie de faire pipi! Oh là 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 là! Alors, il fait une expérience. Il descend son pantalon, il descend sa culotte, il s'assoit sur le drôle de petit siège et là, son pipi est sorti. Oui, il a fait pipi dans le pot. Bravo, Petit panda! Alors là, il est tout surpris. Mais papa et maman qui arrivent sont très, très fiers de lui, le félicitent, applaudissent. Oh, bravo, Petit panda, t'es un champion, t'as fait pipi dans le pot. Vraiment, bravo, bravo. C'est un champion, hein, Petit panda. Il y en a parmi vous qui font pipi dans le pot. Et puis d'autres, ça va venir. On va prendre son temps, voilà, vous inquiétez pas. Mais un jour, je suis sûre que tous et toutes, vous arriverez à faire pipi dans le pot. Ça, j'en suis certaine. Eh bien voilà, c'était ma deuxième histoire. L'histoire du petit panda qui va au pot. Oh, ça m'a fait plaisir de partager ce moment avec vous. Et maintenant, je vais vous dire au revoir. Est-ce qu'on chante une petite comptine? Oh ben oui alors. Qu'est-ce qu'on pourrait chanter? Tiens, la souris verte, comme il y avait des animaux. On y va? Une souris verte qui courait dans l'herbe, je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs. Ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. Je la mets dans mon chapeau, elle me dit qu'il fait trop chaud. Je la mets dans mon tiroir, elle me dit qu'il fait trop noir. Je la mets dans ma culotte, elle me fait trois petites crottes. Et puis je la mets dans ma main, et elle me dit qu'elle est très bien. Ah ouais, vous avez drôlement bien chanté avec moi. Ah, je suis fière de vous. Bon, mais écoutez, je vais vous dire au revoir. Et je reviendrai peut-être encore avec une histoire de Camille Shibai. En tout cas, au revoir à vous. Et à très bientôt.